Tronçonner, il nous faut du bois de fleurs. Et puis on est tranquille, hein? On n'a pas vu les joyeux aujourd'hui. Sauvage! Ça va, mon général? Parfaitement, très bien. Il est vivu. En avant! Les joyeux ils attaquent! Les joyeux ils attaquent! Il est fichu. Mais conduis-y droit, espèce d'immuté. Oh non, pas lui. Notre général désarmé. Quelle honte, hein, monseigneur. Il est azimuté. Azimuté. Ça suffit pour aujourd'hui. Retournons à la base. Excellente récolte. La reine va nous féliciter. Bravo, crabeau. Encore une de vos stupides victoires, je suppose. Écoutez, notre prince, que vous refusiez de combattre, passe encore. Mais que vous vous moquiez de nos valeureux soldats qui souffrent le martyre de la couleur. Le martyr? Ils m'ont l'air de bien rigoler pourtant. Ah, quelle insolence! Crétinus, conduisez illico ce déserteur à la bibliothèque pour qu'il y révise les livres de guerre. Je ne suis pas un déserteur, je suis un pacifiste. Et je refuse de combattre les Joyce. Ah, ça suffit! Et vous autres? Tous à la boîte noire! Alors, vous calmez, mon général? Excellent! Au suivant! Après vous, mon prince! Il a pas l'air emballé, hein, notre prince? Oh, je le comprends! La lecture, ça fait mal à la tête! Et qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas lire? Peut-être, mais je sais compter! Tiens! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Les livres de guerre sont là-bas, mon prince. Des livres de guerre? Me faire lire ça à moi, c'est révoltant. Tout ce qui m'intéresse, c'est que les Burke fassent la paix avec les Joyce. Même pour un seul jour, un tout petit jour de bonheur. Et... Oh, ben ça... J'ai peur, mon prince. Qu'est-ce que c'est? Chut. Oh, monseigneur Crabeau va pas être content.
Oh là là, oh là là. Il est magnifique ce livre. Oh là là, attention! Que c'est beau, c'est merveilleux. Je vous en supplie, mon prince, il faut remettre ce livre à sa place et refermer le coffre. D'accord, referme le coffre. Oh là là, c'est Monseigneur Crabeau qui va pas être content. Hulk, il est interdit de sortir des livres d'ici, mon prince. Je sais, mais j'ai l'autorisation spéciale de Crétinus. Il donne des autorisations, Crétinus? Ça doit être nouveau parce que... Ah non, mon prince, arrêtez! Oh, tu vois ce que je vois? Ben oui, rien. Pourquoi? Eh, ça veut dire qu'on a été... Oh, on a l'air faim. Oh. Fabrique un jus de charbon de plus en plus tenace. On est fichu, maudit Burke. T'en fais pas, Fulgor, on va te refaire une santé. Oh, t'es pas fichu, pas du tout. Eh oh, Asilius. Burke, un Burke. Allons, mon garçon, allons, Asilius est ton ami. Ne fais pas attention, il est vexé parce qu'il s'est fait charbonner. Disons que je n'ai rien entendu. J'ai quelque chose pour vous, les Joyce. Cette écriture, mais c'est du Joyce ancien. Tu comprends ce que ça veut dire? Eh bien, si je ne me trompe pas, il s'agit du... Oh, mais c'est extraordinaire! Ce livre est un véritable trésor, mes enfants. C'est le livre de Noël. Noël? Cette tradition avait disparu. On croyait le livre de Noël perdu à tout jamais dans la nuit des temps. Et mon arrière-grand-père m'en avait parlé. Noël était une grande fête. L'occasion unique de célébrer la paix, une nuit par an, pour tous les insectes de bonne volonté. Les Burke ne sont pas de bonne volonté. Cesse de ronchonner, Fulgor. Toi, il est temps que tu retrouves tes couleurs. Il est écrit ici que Noël se célèbre le... Mais c'est aujourd'hui. Eh ben, célébrons Noël ce soir. Ah oui, fêtons Noël tous ensemble, Burke et Joyce réunis. Rien de tel qu'une bonne douche de jus de charbon. Mais votre noirceur, vous n'étiez pas colorisé. Il vaut mieux être trop charbonné que pas assez. Et puis, nous sommes le chef. Nous devons donner l'exemple. Dites-moi, exemplaire Crabeau, mon fils s'est-il bien comporté durant cette bataille? Oui, oui. Mais non, oh, notre reine, le prince Asilius ne s'est pas comporté du tout. Ce petit garnement refuse toujours de combattre les Joyce. A-t-il été puni comme il se doit? Oh, sévèrement, notre reine. Il est actuellement dans la bibliothèque en train... Eh ben non, votre erreur. Il n'y est plus. Le prince s'est encore sauvé par un de ses souterrains. Stupide crabeau, quand l'empêcherez-vous de creuser ces maudits tunnels? Nous allons tout mettre en œuvre pour retrouver le prince, oh, notre reine. Inutile, vieux crabeau. Me voilà, mère, avec un véritable trésor. Un trésor? Oui. Le livre de Noël. Noël? Noël est une fête. Ah, une fête! Encore une fantaisie, une rigolade, une jolisserie, quoi. Noël est la fête de la joie, du bonheur, de la paix. Ah, pas de gros mots, hein? Laissez-le parler. Où voulez-vous en venir, mon fils? Voilà, mère, cette fête de Noël n'a lieu qu'une fois par an, et c'est ce soir. Alors, j'avais pensé... Terminé. Te voilà tout neuf. Et de meilleure humeur, j'espère. Eh, dis donc, il n'a pas l'air d'avoir le moral. Il s'inquiète parce qu'Asilius n'est pas revenu nous donner la réponse pour ce soir. D'ailleurs, ça m'inquiète aussi. Oh, laisse tomber. C'est bien joli, votre idée de fêter Noël avec les Burke. Mais moi, je n'y ai jamais cru. Et je n'y croirai jamais. Jamais, jamais. Espèce de pessimiste.